Le procureur de Digne-les-Bains a annoncé mercredi que les opérations de recherche pour retrouver Émile, un petit garçon de 2 ans disparu depuis samedi dans le hameau du Haut-Vernay, étaient terminées. Les recherches ont été menées pendant 4 jours et ont mobilisé d'importants moyens, mais elles se sont révélées infructueuses. Désormais, l'enquête entre dans une phase d'analyse des éléments collectés pour tenter de déterminer les causes de la disparition. Le parquet étudie toutes les hypothèses qu'il s'agisse d'un accident, d'un homicide ou d'un enlèvement. Le jour de la disparition, Émile était en vacances avec sa famille au Haut-Vernay. Il a échappé à la vigilance de ses grands-parents alors qu'ils chargeaient leur voiture. 2 témoins ont peut-être été les dernières personnes à l'avoir vu, mais ils ne sont pas inquiétés car les enfants circulent librement dans le village. Malgré les recherches et la mobilisation de nombreux moyens, aucune information n'a été trouvée pour aider à comprendre la disparition d'Émile. Cette situation inquiète le procureur qui a souligné que si le petit garçon s'était perdu, son pronostic vital serait désormais très engagé.